Donc moi, quand je suis né, j'avais un faux jumeau. Ouais. Qui lui n'a Ça veut pas. dire quoi avoir un faux jumeau? C'est-à-dire qu'on n'est pas. C'est-à-dire les jumeaux monozygote et dizygote. C'est-à-dire que tu nais, tu grandis ou pas dans la même poche. D'accord. Et en gros, quand tu es monozygote, c'est enfin vrai jumeau entre guillemets, tu te ressembles vachement, quoi. Tu as beaucoup plus de jeux, de trucs en commun. Et sinon, faux jumeau, c'est que vous n'êtes pas dans la même poche, donc vous n'avez pas forcément les mêmes caractères. Ouais. Et moi, lui n'a pas cette maladie des ovaires que moi j'ai, donc du coup. Toi, tu es né avec cette maladie. Ouais, et du Qu'est-ce coup, que c'est cette maladie? c'est une fragilité des os, due à un problème, c'est une maladie génétique. Donc y a différents stades en plus dans cette maladie, c'est-à-dire que différents degrés de fragilité, il y a des gens qui ont cette maladie. Moi, j'ai eu la chance en grandissant de me solidifier, mais il y a des gens qui ont eu cette chance, qui n'ont pas eu cette chance, pardon, et qui ne peuvent même pas vivre debout. Parce que le poids de leur corps debout, avec la gravité, peut leur casser des os, quoi. Il y a même des gens qui vivent allongés, parce que même assis, la gravité leur fait mal. Donc moi, j'ai de la chance dans mon malheur d'avoir réussi. Alors, je reste quand même plus fragile que la normale, de manière générale, mais beaucoup moins que quand j'avais 5, 10, 15 ans.